Admets que tu nous as menti, Cartman. Comme ça, on rentre tous chez nous. Oh non! On a passé un deal, Kyle. N'oublie pas que si je peux prouver que le léprochaun existe, tu devras me sucer les couilles. Ben moi, j'affirme que c'est que des conneries. Oh oh, on est nerveux, Kyle. Quand le léprochaun se pointera, tu devras me sucer les couilles. Nous avons signé un contrat, l'oublierais-tu? Ouais, et si tu peux pas prouver qu'il y a un léprochaun, tu devras me filer 10 dollars. Alors donne-moi tout de suite mon fric et arrête d'être débile. Ok, ça suffit. Écoutez-moi tous! Cartman est tout simplement en train de se foutre de la gueule de tout le monde parce qu'il essaie de se sortir d'un deal qu'on a passé. Je l'ai vu et je peux le jurer. Je comprends pas pourquoi il vient pas aujourd'hui. T'as jamais vu de léprochaun, gros lard. Si tu le prouvais, j'aurais dû te sucer les couilles, mais si tu le prouves pas, il va falloir me filer 10 dollars. Alors donne-les. J'ai quelque chose. Ah oui, je le vois. Oh, c'est lui. Oh non, il trotte de nez, c'est le léprochaun. Envoie de la diversion, secteur C. Oh putain, je le crois pas, c'est un léprochaun. On échappe. Chopez ce putain de léprochaun. Je le veux vivant. Wow. Cool, bordel. Wow. Poussez-vous, je vais le voir. Très bien, petit con. Où est ton or? Êtes-vous fou? Libérez-moi. Je dois délivrer un important message. Il va y avoir un attentat. Dis-moi où est ton or ou tu mourras. Lentement. Mais putain, il est où? On m'a envoyé pour prévenir d'un attentat, mais vous m'avez mis en retard. Les terroristes vont gagner, la fin est proche. Putain. Bon bah, Kyle, suce-moi les couilles.